Pour démarrer lancement officiel Radio Télévision Fadrice ak Jidor Studio Sound journée mardi 25 juin 2024 là c'est ak yon kout adoration ak prière programme nan té louvri nan centre hospitalier Fadrice qui trouvé l'an Delma 83 en présence Joseph Domingue Orgela PDG RTVF qui c'est Radio Télévision Fadrice ancien ministre condition femme ak droit femme nan docteur Sophia Loreus plusieurs cadres différentes branches nan RTVF sans compter plusieurs invités qui te fait déplacement yo pour participer dans lancement ça. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout puissant que tu es moi. Tout de suite après partie religieuse, c'est Acte National des Saliniens, activité ça va poursuivre. Pour présentation Jidor Studio Sound ak programmation Radio Télévision Fadrice qui pral desservi population haïtienne nan ak res monde lan à travers yon plateforme différents réseaux sociaux selon président directeur général RTVF la Joseph Domingue Orgela qui dit li kwè travail et station sa pral permettre bon jan développement nan communauté ya à travers message sous formation ak information kap diffuse yo. C'est pour ça que nous venons avec Jidor Sound Studio. Côté nous offrir un espace à jeunes qui ont un gros moyen pour les gens envie de faire musique. Ils ont envie d'exprimer l'inspiration et chercher la vie à travers le talent et de gagner un studio à disposition à un prix raisonnable et qui a encadré autour parce que nous connaissons une pique au problème. Journaliste Elie Fleurimont, c'est responsable programmation nouvelle station radio-télévision Fadrice, lui fait connaître qu'il a gagné un programme qui riche avec diverses rubriques qui pourra le former et puis informer tous les amis internautes avec plusieurs jeunes compétents qui dans différents domaines. Dans ce sens, même fondateur RTVF là, mande support grand public là pour capable vendre projet à nous gagnons une programmation qui là pour tout secteur à émission la famille gagne déjà une rubrique droit rubrique yo pour aider nos pile à gagner rubrique santé parce que quand plus monde qui vivre qui a fait négligence, qui est en bonne santé. Nous gagnons lundi, à partir de 11h30, nous gagnons bulletin d'information. Pays d'Haïti déjà raté plusieurs occasions dans ce qui est pour eux, à question révolution. Tant que révolution industrielle, économique, démocratique et même révolution numérique et technologique, qui c'est une situation qui l'a gagné pays d'Haïti dans la pauvreté, d'après président Conseil national Société civile haïtienne, Joseph Domingue Orgela, qui dit RTVF créé pour service famille haïtienne, vend pays d'Haïti et l'autre gens, dans une série émissions à caractère éducatif, instructif, pour permettre Genio prendre l'autre direction avec pays dans le monde.